Oh putain les amis, regardez-moi ça, truc de ouf, le menu de Call of Duty Infinite Warfare ainsi qu'un chargement de map, c'est ce qui a été mis donc par un gars sur Twitter, malheureusement son tweet a été supprimé très rapidement. Je vous en fais une petite vidéo sur cette grosse méga fuite, vous pouvez le voir, donc le menu, on peut revoir également le retour du menu extinction et quelque chose qui a l'air d'être extrêmement futuriste. On peut le voir avec en arrière-plan, là, cette espèce de vaisseau qui, après, est détruit. Alors, peut-être que c'est lié à la campagne, hein, je ne sais pas trop. Je ne sais pas du tout. On peut voir le retour du mode extinction, donc certainement que... ils ont voulu reprendre cette idée de Ghost, enfin je sais pas, il n'y a pas d'image dessus, déjà on a le menu, c'est plutôt oufissime, on peut voir qu'on peut jouer donc en tout à 18 joueurs, comme les anciens Call of, je m'étais dit peut-être un peu plus ou je ne sais pas trop. On peut voir également donc pendant le chargement de la carte qui s'appelle apparemment Sonate, qu'il y a en bas des petites inscriptions, donc il y en a une, c'est marqué l'armure ionique vous permettra d'être moins affecté par la gravité, donc voilà, comme avait dit je ne sais plus trop qui sur Twitter, que la gravité aurait un grand rôle dans le jeu. Bien voilà, donc on a cette petite confirmation avec l'armure ionique, alors je vois pas trop le rapport là-dessus, mais bon. Et ensuite, une autre phrase qui a été écrite, la grenade Ipsa est très utile pour vous téléporter et tuer votre ennemi, faites-en bon usage. Donc voilà, ce serait peut-être un petit peu à la manière qu'on avait eu sur Advanced Warfare, je sais pas si vous vous souvenez, en Exo-Zombie, on avait une grenade téléportatrice, alors peut-être que c'est une grenade de ce genre, je sais pas du tout. On peut voir que c'est donc le mode de jeu Domination, bon sans grande surprise hein, le retour de ce mode de jeu. La map a l'air d'être sur la Lune, si je dis pas de bêtises, vu qu'on, enfin, j'ai l'impression qu'on voit la Terre en tout cas. Voilà une map qui a l'air en tout cas très dégagée, je sais pas si on peut voler, il n'y a pas d'image de gameplay ou de quoi que ce soit, mais voilà en tout cas donc le menu. On peut voir également sur le tout début, donc il y a marqué campagne, multijoueur, extinction, joue en mode hurling, bon ça je pense que c'est comme beaucoup de jeux, et il y a marqué ensuite énergie spatiale. Alors, je sais pas trop ce que c'est, peut-être un mode de jeu, ou peut-être que je me suis dit, et bon, ça me ferait un peu chier que ce soit ça, mais comme les colis, les largages ravitaillement, tout ceci me fonctionne plutôt bien, malgré que ça fasse chier tout le monde, bah, peut-être que c'est ça, l'énergie spatiale, je sais pas du tout, peut-être c'est un truc qu'on récupère quand on joue en multi, et on pourra ouvrir des colis spatiaux, je sais absolument pas. Voilà, en tout cas, bah, moi personnellement, ça me fait super méga peur, c'est clair et net, voilà, ça me fait vraiment flipper. Dites-moi ce que vous en avez pensé, puis bah, quant à nous, on se retrouve en tout cas prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite à tous bon jeu, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye les gens.